Je suis Saren Salvamor, agent spécial au service des Talmor. C'est une longue et éreintante route parcourue depuis Valboisé. Et me voici en bord de ciel. Tout de suite, j'ai haï ce pays, son peuple de sauvages encore à l'âge de pierre. Il fallait vraiment que cette affaire soit de la plus haute importance pour m'envoyer dans ce trou paumé. J'étais en route pour Solitude, la capitale de Bord de Ciel. L'ambassadeur des Talmor m'y attendait. Voilà notre agent, Saren Salvamor. Alors, avez-vous fait bon voyage? Vous avez raison, ne nous embarrassons pas de futiles amabilités. Asseyons-nous un moment, voulez-vous? Bien. Mon ami, vous allez comprendre que la venue d'un puissant mage guerrier tel que vous dans les hautes terres de Bord de Ciel n'est pas anodine. Vous n'êtes pas sans savoir que la région subit depuis plusieurs mois maintenant d'incessantes attaques de groupes séparatistes qui agissent pour le compte d'un certain Ulfric Sombrage. J'en suis informé, oui. Continuez. Il y a quelques jours, un de ces hommes faisant partie de la mouvance extrémiste a osé défier directement l'autorité d'Almor en s'attaquant, tenez-vous bien, à notre ambassade. Mais quel genre de fou est notre homme pour s'attaquer directement aux intérêts de Talmor? Un fou dont la vie est en sursis, Saren. Ce qui s'est passé ce jour-là à l'ambassade restera une date marquée par l'infamie. La coupe est pleine, nous allons répondre à cette ignominie. Et la sanction doit être cinglante. Et vous attendez de moi que je sois la main qui punit? Oui. Encore faut-il retrouver ce sauvage. Nous avons perdu sa trace. Il faudra enquêter. Et par où puis-je commencer? Il y a un comptable à Solitude. Un nordique. Une âme facile à soudoyer. Il se nomme Brandrel. Où puis-je rencontrer ce nordique? Il se rend chaque soir au bain de la ville. Il aura certainement quelques informations intéressantes à vous fournir au sujet de ce rebelle. Je veux que vous commenciez votre enquête par là. Allez au bain ce soir. C'est au bout de la ville. Et surtout, n'hésitez pas à vous offrir quelques extras. Vous avez toute notre bénédiction. Skooma de bonne qualité. Psst. Psst. L'elfe, par ici. Vous êtes Brandrel? Ouais, mec. Et vous, vous êtes le chasseur de primes qui veut botter le cul à l'ours de Bord de Ciel, hein? L'ours, il se fait appeler ainsi. Ouais, mec.
c'est moi qui viens de trouver le nom. Je veux des informations fiables, entendu. Hé, calme-toi, l'ami, on est là pour se détendre après tout. Allez, profites-en. Je te dirai tout pendant qu'on s'occupe de madame. Ce blanc-bec de Nordique m'avait refilé une info comme quoi le rebelle avait été vu pour la dernière fois au fort de Rakstad, au nord-ouest de Solitude. Je m'y rendis le lendemain. C'est un beau jour pour un massacre. Où se trouve le rebelle? Il m'a pété la jambe, enfoiré! Où? Mais je connais pas de rebelle, on est juste des putains de brigands, mec! On n'a rien à voir avec les sombrages! Putain, ma jambe! Pour ta jambe. Ce pauvre type disait vrai. Cette bande de malfrats n'ont rien à voir avec les rebelles. L'ours de bord de ciel n'a jamais mis les pieds dans ce fort. L'indique a donc voulu me piéger. Il espérait secrètement que je me fasse tuer par cette bande de brigands boiteux. Ah, ces nordiques. Ils sont aussi présomptueux que naïfs. Quoi qu'il en soit, je retourne à Solitude. Cet enfoiré de nordique va payer pour m'avoir menti.